Intéressant. Ces dispositifs sont reliés au clocher. Une énigme, peut-être? Ah oui, encore ça. Peut-être qu'en tournant les aiguilles de l'horloge dans le sens inverse, la lune ferait marche arrière. Une logique apparemment conforme aux absurdités crétines qui ont envahi le royaume champignon. Cela vaut la peine d'essayer. Résolvons cette énigme. Bon. Bon, niveau gemme orbe de puissance, ça fait un moment que je ramasse, là. Hop, Shunka, ça aussi. Plus de PV. Voilà. Maintenant, Peach. Hop, voilà, comme ça serait plus qu'un tour de recharge. Et toi? Putain, il peut tacler tellement de gens. Voilà. Je prends pas ce moment d'intimité. Qui sont mignons. Alors. Il tombe, un coffre, un modèle 3D je suppose. Une musique, c'est pareil, ça me sert à rien. Alors. Activons le jaune. C'est nul. Le vert. C'est nul. Le bleu. Ah, le bleu déjà, ça ouvre quelque chose. Ah, ça ouvre la possibilité. Une nouvelle carte. Rouge. Non, pas le rouge. Attendez. Déjà pour qu'il arrive là, faudrait désactiver le bleu. Ah non, fallait. Ok, maintenant on a trois statues. Pas compliqué quand même. La lune, sa course est inversée. Oh, c'est nul. C'est stupide. Ah, notre ami mystérieux veut nous féliciter. Mouah! Portail de la lune est ouvert. Et monsieur Tom Fan vous attend. Bientôt vous ne serez plus de ce monde, moi. Oui, j'écris plus de ce monde. Parce que vous serez rentré chez vous. Et quand je dis moi, ça veut dire félicitations. Quand j'écris moi, la deuxième fois, ça veut dire vous êtes super cool, les gars. Je vous adore et je suis à fond avec vous. Arf, arf. Bien. Il semble que notre quête, tout ça, ne faisons pas attendre notre admirateur davantage. Ah putain, il est méchant ce mec, il est méchant, il est pas gentil. Ah là 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 là. Bloup bloup bloup. Quoi, mais
c'est horriblement compliqué, hier. De go. Hop là, bon, ça va. Nouvelle arme pour qui? Pour le pain Yoshi. Un canard. Un petit canard pour le pain Yoshi. Alors, voyons voir sa nouvelle arme. Je préfère la pétrifaction. Plus de dégâts contre les épouvanteurs, mais on s'en fout. Ok, on arrive ici. Oui, on connaît cet endroit, on était déjà venu. On va chercher le dernier niveau qui est tout en haut. Tu vas même tout droit. Voilà, oui, ça c'est vraiment tout droit en fait. Il y a les deux artefacts. Oh, le portail est ouvert. Attention, le boss. Tiens donc, c'est un théâtre. Tom Fung a clairement un faible pour les ambiances dramatiques. Hippo, sachez que mon adresse email a été piratée. Ignorez tous les messages liés à un certain monsieur Tom Fun. Car il s'agit sûrement d'un piège. Mais le subterfuge était simplement grossier, que j'imagine qu'il apparaît aussi évident qu'à moi. Signez votre plus grand fan. Ah, je commence à m'impatienter. Vous arrivez pile pour le spectacle. Donc c'était pas notre pote qui nous parlait. Je me disais aussi, c'était chiant. C'était sûr qu'il y avait un truc bizarre. Bonjour Junior, c'est donc toi qui nous envoyais les messages nous demandant de retrouver les reliques de bien pour ouvrir le portail de la lune et libérer Monsieur Tom Fun, n'est-ce pas? Je savais depuis le début. Enfin, je m'en doutais. D'accord, je viens de me rendre compte qu'il a tout juste 30 secondes. Tom Fun est une diversion, c'était un piège, n'est-ce pas? Oh, mais il est bien réel. En fait, grâce à vous, il va même faire ses grands débuts sur cette scène. Non, les deux reliques. Allez, Spawny, fais ton travail. Tu as peut-être besoin d'un peu d'encouragement. Ouh là là, ça va donner quoi? Et voici Tom Fun, ou devrais-je dire... le fantôme. Oh oui, Tom Fun, fantôme. Oh, génial. Génial. Franchement, ils se sont gavés pour ce boss là. Comme tu t'affiches avec tes moustaches. C'est une postiche. Qui donc m'a fait autant de tort que donc contre ce ville butant. Je vous laisse lire en fait. Screaming, Mamma Mia, who leaves me grey and grim? Oh, what does Peach see in him? Mario, with great joy in my heart,
It's time I watch Mario Kart. You're first and doing so well. But here comes the Spanish Shell. And now you and your rabbi friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I'll rise. Excellent, putain! Il est génial ce boss! Les captures indiquent que Monsieur Tom, le fantôme, est insensible aux attaques quand il est sous le feu des projecteurs. Si vous voulez entendre son chant de signes, il faut trouver un moyen d'éteindre sa lumière. En tirant dessus. C'est en envoyant Mario dessus. Can't hurt me now. Comment faire pour casser ça? Peut-être tacler la lumière. Voilà ça. Putain, il va y avoir 3 spots de lumière à chaque fois. Oh, encore. Est-ce le tacle? Non, non, apparemment pas le tacle. Hop. Je pense qu'il va aller à gauche en premier. Sinon, je suis en train de positionner pour rien.
Allez hop. Allez hop. Alors tu vas te mettre où maintenant? Forcément, c'est lui qui me fait côté. Hop tac. Oui, mais bon. Hop. Like a precious rose, I bloom under one of the spotlight. How dare you? My vision will not be compromised. Voilà, je trouve ça rigolo. Hey Mario. Can't hurt me now. Who do you think you are? You should need of the star. You are nothing but a parody. I find your good role in a tragedy. It's me, let's go, the only words you know. My heart will touch your princess's heart, and you will be to the part. You think you'll win this tournament? I send you to retirement. You saw not worth the hustle. Your princess is in on for the castle. La référence. Il est un trésor national, quoi. Calme.
Complique de plus en plus. Tac. Quoi, sérieux, putain, mais... Non, putain. Allez, tu peux le faire, Yoshi. Ouais, d'où il bouge maintenant? Putain, lui, c'est ça, il faut, fait lui aucun dégât, putain. Oh, mais... Je me demande si, si on meurt, il regarde et fait « Ah, je te l'avais dit, pauvre con !» Ah non, c'est juste échec, oh, c'est un peu drôle. Allez, un peu la concentration maximum. On dirait un peu Homer. On l'a battu. Oh yeah. J'ai bien aimé ce boss. Hey. Rang d'équipe supérieure à la santé de tes héros a augmenté. Nouvelles armes en stock. Défi Frousseland. Détruire citadelle sur la colline. Oh yeah. Et ben voilà. Putain, on a aucun speech à la fin de Bowser Jr. Qui fait, oh putain, enculé, tu m'as eu celui-là aussi. Non. Peut-être de nouveaux trucs ici. Oui. Alors, on a... Je préfère le miel avec pour Mario. Puis le rebond pour le marteau. Toi, canard. Hein, trop bien, t'as Bowser et Bowser Jr. Bowser Conquer Jr., Palmy Bowser. Putréfaction, c'est bien plus drôle.
Et en armes. Paladin Vengeur, grand final. Pétrifié, je trouve que c'est bien plus violent que tous les objets. C'est le bonus, c'est l'effet le plus violent qui existe, je trouve. Parce qu'il fait vraiment rien, qu'il bouge pas, il utilise pas ses armes, il fait pas de spécial. Plutôt incinération, parce que c'est bien. Canard magique, Kamek. Les brigadiers. Et le feu, toujours. Niveau compétence, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en arrière en plus? Dégâts d'écrasement, on s'en fout un peu. Puissance M. Allez hop. Pitch. On peut rien augmenter de vraiment pratique. Et lui, c'est pareil. Voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour cette session, le tournage. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup la prochaine fois pour la suite de Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Allez, bye bye tout le monde.